Le Chêne. Scénario Olivier Langlois, Saint-Laurent, Pascal Charpentier et Athnaël Lussier. Au dessin Fred Noni. À la narration Family Globe. 5 ans plus tard, dans une pépinière, j'ai croisé un grand sage qui m'a dit ceci. Votre arbre pousse, mais vous ne pouvez pas le voir, car tout est dans les racines. L'arbre que vous avez pris dans la forêt était peut-être très vieux, bien qu'il ait l'air jeune. C'est commun comme phénomène. Comme un bonsaï? Exactement, un arbre avec de bonnes racines qui n'attendent qu'à être réveillé. Réveillé? Mais comment? Vous devez couper l'arbre à la base. Faites-moi confiance. Ce qui allait suivre dépassa toute imagination. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Il y a un parallèle intéressant à faire avec la finance. Lorsqu'une compagnie stagne en bourse, cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien dans ses fondements, ce qui est le cas de plusieurs compagnies extraordinaires. Tandis que le prix de l'action végète, les résultats de la compagnie ne cessent de progresser, tout comme les racines de l'arbre non apparentes qui n'attendent que le bon moment pour déployer leur énergie. À un moment donné, un élément déclencheur arrive et crée un résultat spectaculaire. Voici quelques exemples de compagnies pour bien comprendre ce phénomène. Lorsque le Canadian Tire a eu l'idée de placer ses immeubles dans une nouvelle société en 2013, cela a mis en évidence toute la valeur cachée de la compagnie. Le titre qui stagnait depuis quelques années s'est immédiatement apprécié de 40%, puis d'un autre 100% au cours des 4 années qui ont suivi. Lorsque le prix du pétrole a chuté dramatiquement en août 2014, les investisseurs ont déplacé beaucoup de leurs capitaux dans les titres alimentaires Metro, dont le titre traînait la patte depuis un moment, alors explosé de 90% en quelques mois. Lorsque Rona a reçu une offre d'achat de Lowe's en 2016, le titre qui était boudé depuis plusieurs années s'est apprécié de 110% en une seule journée. Microsoft stagnait depuis plus de 10 ans en bourse, mais lorsque son président Steve Ballmer a été remplacé à l'été 2014 par Satya Nadella, le titre a explosé de 240% dans les 4 années qui ont suivi. Le contexte actuel a créé une manne exceptionnelle de compagnies avec un potentiel incroyable qui n'attend qu'à se déployer. Les enfants, économisez vos sous.